à ce tournoi. Bien écoute. Non, c'est ce qu'elle répond pas. Et du coup, on est parti directement. Donc, Alex Diao, pour la je sais pas combien de fois de sa carrière, qui va se retrouver à affronter un match-up qu'il ne connaît pas et qui va donc enrager dans une certaine mesure. À quel point, bien sûr, ça dépendra de s'il gagne ou pas. Pour l'instant, il la joue super agressive. Il a pas lancé un seul shuriken. Ouais, il a pas le temps. Ouais. Littéralement. De toute façon, il sait que, au jeu du zoning, il perdra. C'est ça. Je pense que même si dans son jeu de base, c'est super patient, lancer des furies. Il se dit là, Olimar, ça va sans doute pas être ça. Lancer des furies ? Des shurikens. Ah. Shurikens. Exactement. Fais la traduction en arabe, quoi. Lui, il fait héros. Ah, tu fais héros ? Ouais. C'est parti. Dollar. Non, c'est pas drôle. Wilde. Makrout. Makrout. Je fais Zia. Quoi donc ? Arba. Arba. Dete. Wahad, Jus, Kleta. Voilà, donc du coup, il y a un petit peu de temps. Il a un petit peu de temps. Ah, viens commenter avec nous. C'est free for all. Et du coup, on a un commentary de toute la SNF. Oh, vas-y, viens commenter avec nous. C'est un aimant, c'est ça. C'est une sorte d'agglomérat. Non, non, vous, ça les a pas vus. Et première stock enlevée par Alex. Il y a un Pokémon Ball derrière toi, Bugo. Ouais, ça te fait rire. Arabe. Il est raciste, parce que le Rex, c'est le scénar. Parce que le Rex, le Trumpiste. Le Trumpiste. Ok, donc du modas. Parce que mine de rien, le match a continué pendant que tu parlais. En fait. C'est vrai ? Ouais. Eh, c'est saut, hein. C'est de couvrir plus les options arrière de Gimodas. Oh là là. Gimodas, ça fait un moment qu'il est pas avec 3 pipines en fait. Ça y est. C'est reparti. Assure-toi. Alors pour la petite histoire, je sais pas à quel point c'est intéressant dans ce match-up, on peut le dire. Tous les coups aquatiques de Bunny Jack vont pas tuer les Pikmin s'ils sont collés sur lui. Du coup, Olimar a le match-up. Bah probablement. Non, juste le Pikmin bleu, non? Le Pikmin bleu a le match-up, ouais. Et comme Olimar n'a pas le match-up, bah ça commence. Ouais. D'accord. Ah, le voilà, Nair Up Smash. El famoso Nair Up Smash. Qui est apparemment très très dur à placer sur Alexeo. Donc du coup ouais bah là il se passe pas grand chose, mais quand il se passe quelque chose c'est pas trop l'avantage d'Olimar. Quoi? Je sais pas. Aïe aïe aïe, ça attend la dodge, mais ça a pas commit. Genre en mode il a suivi. Oh là 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 là. Et là qui je crois a envie de montrer que lui aussi peut 3 stop les gens. Ok, donc j'ai complètement menti, il lui a mis un fer qui est un coup aquatique et il a tué le film. Mais oui c'est que la windows dans ce club. Le nerf c'est pas de l'eau. Ouais. C'est pas compté comme étant un peu aquatique. Ouais. Ça dépend aussi, tu fais avec les boss, non? Vu que t'as un Pikmin qui absorbe l'aura. C'est pas l'eau qui fait mal. Moi je sais qu'il me dit que le HB des NES. Ouais. Mais là, 166%, on lui marque qu'il a du mal à tuer, ce qui est assez bizarre. Pour un Pikmin bleu, là, l'aiderait bien, justement. Au moins, il aurait la petite trop garantie. Oh oh! Oh là là! Ouais mais ça va, je sais pas, il se tue. J'ai envie de créer... En fait, la seule personne que j'ai envie qu'il entende, c'est Alex. Ouais. Au milieu d'un match, c'est un peu bâtard. Je passe caché. Oh là là. Le nerf tu match une nouvelle fois. C'est vraiment dur à passer. Oh, mais ça le faire. Oh, est-ce que ça tue? Non, non, non. Oh, oh là 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 là. Le comeback. Gimodas. Quoi? Oui, maintenant tu n'as pas de problème. Quoi? Tard, c'est barré. Je sais. Ouais, je sais, pas. Bah, il est tard maintenant. Ah! Casse-toi. Bah, il est compté dernier de pool et il fait pas de match on stream. Non, mais il sera pas là. Oui, bah, il sera pas là. Je l'ai appelé, il sera plus là. Il m'a dit demain peut-être. Peut-être demain là, mais je sais pas. TDQ. Bah oui. Sauf si tu trouves un partenaire qui n'a pas inscrit en double et qui est prêt à payer et éventuellement il y a peut-être lui là. Et du coup, on est parti pour le deuxième match. Je verrai avec Hugo sur Battlefield. Je pense qu'il y a un bon pic de la part de Gimodas, évidemment, puisque de manière générale, c'est souvent le pire stage de. Pas parce que t'es chauve que tu dois mal parler aussi, tu vois. Genre, t'as pas hérité de tous les défauts d'un coup. Mais tu sais que t'es extrêmement.
J'ai des gens dans ma famille qui jodotent et de dire T'as des gens dans ta famille? C'est chaud. De dire. C'est quoi ça? Le rap, c'est chaud, celebrate. Let's go. Ça va trop. Y'a pas de guitare. Ferme ta gueule, plus beau. Voilà, c'est peut-être pareil. Bon, voilà, cette fois on est parti sur. Sur Battlefield avec un match donc, ouais, qui est beaucoup moins à sens unique. Alors Limar qui domine. En fait, qui est drôle à peu près comparé aux autres main Olimar. Genre par exemple pour citer Shuton du Japon, il jette ses Pikmin, tu vois, selon certains pourcentages en fait, en se disant celui-là j'en ai pas besoin, celui-là j'en ai pas besoin, jusqu'à qu'il arrive à un certain setup, tu vois. Genre là, avoir deux violets et un bleu, tu vois. Et alors que Guimodas, tu vois, c'est un mec, genre je pense qu'il aime bien les animaux et il garde tous les Pikmin, tu vois, il tue personne. Ouais. Du coup, il fait dans la conservation et ça lui réussit pas. Ok. Donc, je continue de parler avec tes mots poétiques. Tu parles de protéger les animaux. Mais parce qu'en fait, Franck, ouais, okay, il a joué dans le parc. Ok, donc le traditionnel meilleur smash pour une cinquantaine de pourcents en un coup. Voilà, on peut dire. Il reste qui dans votre coup là? Il reste fort mauvaise posture, encore une fois offstage. Et du coup, ça va aller chercher Elixéo qui se suicide. Elixéo qui a voulu revenir on stage, ensuite il s'est trompé, qui est retombé offstage et il avait plus la possibilité. Je pense qu'il a fait un petit peu paniquer, du coup, il a fini par se suicider. Mais il a quand même encore beaucoup d'avance. Oh! Oh! Oh là là! Oh, oh mon là dieu! Ah, oh, Eastuding, il aurait réussi! Ah, Eastuding, il aurait tué. Eastuding, il l'aurait combo vidéo, mon gars. C'est les Xéo qui est forcément m'entend. Il a dit quoi? Je crois qu'il t'a insulté. Je connais pas. C'est ça, c'est ça. C'est mort, c'est bon coup. Ouais. Enfin, ce flow qui est vraiment, vraiment jamais pour la bonne personne, j'ai l'impression. Tout à l'heure, ouais, il était pour Daku, Daku a perdu. J'aimerais vraiment pas que ce flow il m'encourage un jour. Mais en fait, il spoil un peu, tu vois. Ouais, du coup, il se passe pas grand chose là. Enfin, Alex qui fait du zoning, ça marche à peu près. Oh là là, le pipin violet. Il me sort un pipin de plus, voilà. Trop tu tues directement. Depuis le suicide de Zéro, le match est nettement plus dans les cordes de Guimodas, je trouve. Ouais, ouais, il attendait ce suicide. Ouais, c'est ça. C'était le changement de momentum qui a fait que Alex commence un petit peu à se presser. Jean, ton son musique, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Et là tu vois, Guimodas qui réussit, quand il était à 8%, il avait les deux violets et du coup il a trouvé un kill avec l'un des deux, et vraiment c'était beaucoup mieux. Ah, bien vu ça. Ça peut aider. Ah bah ça sert à rien. On a vu là avec Guimodas qui a voulu partir sur un petit BNB, mais sur un perso aussi fast follower et poids moyen que Greninja. Visiblement il a pas su adapter ses passes. Et le nerf up smash, très très difficile à faire et très bien fait. Bon, Guibon, on joue.